CyberLife, l'entreprise qui m'a fabriqué, réalise un sondage des utilisateurs. Voulez-vous y participer? Moi, j'ai pas envie d'y répondre. Attends, mais c'est quoi? Vas-y, fais quand même, au cas où. Envisageriez-vous d'avoir une relation avec un trop bien. Vas-y. Une apparence humaine? Oui. De ouf. En vrai, on les a vus, ils sont trop sympas. Bah, ils sont, regarde, ils sont sensibles. C'est qu'en face de toi, c'est un androïde, hein, on dirait une humain. Ouais, je veux sortir avec elle. Je vais pas parler d'elle précisément. Si vous partiez vivre sur une île déserte et ne pouviez emporter qu'un seul objet, alors on va partir du principe qu'il y a de l'électricité et internet, parce que sinon ce serait une question piège, mais je pense que c'est une question piège. Ouais, parce que s'il y a internet, je prends un portable et je télécharge des e-books. Avec le portable, tu peux faire, tu peux lire, tu peux écrire, tu peux jouer, et tu peux jouer de la musique. Un peu. Pensez-vous qu'un jour les machines développeront une conscience? J'en doute. Pas. Non, c'est trop complexe. Ça peut ressembler à une conscience, mais c'en est pas une. Mais je dirais non. Ça en sera pas une, donc. Merci pour ce sondage. Bonsoir. Super, c'était cool, merci. Elle me fait faire tout un sondage et après elle me dit bonsoir. Je pense qu'elle est un peu loin de se développer une conscience. Hein. Alors, je sais plus où on en était. Tu dormais à l'hôtel? Ouais, on est grave dans la merde. Voilà. Ah bah voyez, me cassez pas les couilles, il est vivant. Bon, il a été réparé. Voyez, il va extrêmement bien, il est au paradis des androïdes. C'est joli, moi j'aime bien. Bon, du coup il est un peu mort, je suis désolé. Yes. Captain Fowler, oh là 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 là, il est indisponible, il boit un gros café. On le voit quand même là. Il est extrêmement indisponible ce connard. Ah, hop là. Hop, hop, alors, hop, 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 hop. Ah, ce fameux dossier. Boulot, boulot, boulot. Ah, le connard. Attends, mais quelle est la mission là? Faire avancer l'enquête, bah, je vais parler à des gens. Oh, lui. Moi, parle à... Non, mais tu sais quoi, parle à Hank, hein, écoute. Je comprends que la destruction de mon prédécesseur n'a pu vous troubler, lieutenant. Maintenant que nous sommes partenaires, nous devrions faire plus ample connaissance. Putain, mais il est chiant. Il boude. Y a-t-il un bureau de libre pour moi? Celui-là est pas occupé. Oh, bah on va être en face. C'est top. Vas-y, le chien, le chien. Je vois dans votre dossier que vous avez un chien. Comment s'appelle votre chien? Qu'est-ce que ça peut te faire? Oh, il me déteste. Oh, putain. C'est grave à quel point il me déteste. Sumo. Ah oh. Il s'appelle Sumo. Oh, il se confie. Bon, il se confie, ça va, il a juste dit le prénom de son chien. Arrête, on est quasiment meilleur ami, alors. Apparemment, un homme aurait été assassiné par un AX-400 hier soir. Ça pourrait être un bon point de départ pour notre enquête. Putain, il est chiant. Là, là, rien à foutre. Fais, allez, vas-y, tape du poing, là. Oh, mais j'ai... Arrête de me les briser, ou tu vas t'en prendre plein la queue. Ouais, bah, je vais le dire au directeur. Bon, il faut qu'on lui parle de son chien plus souvent. Comment va Sumo? Mec, il vient de me plaquer au mur. Jericho, c'était pas un youtubeur Call of Duty? Ah si, peut-être. Ça me dit un truc. Game's done! I found me! I'm here! Trouvé Jericho. Ah bah il y a marqué Jericho. Ah, c'est un énorme paquebot. C'est pas du tout un youtubeur finalement. J'étais déjà en train d'essayer de l'imaginer. Ouais! Oh, j'ai foutu un sacré bordel, putain! Putain, mais où est-ce qu'on est foutu quoi? Qu'est-ce qu'on va trouver? Un mec, le premier des... C'est le premier qui s'est... Rebellé. Qui s'est rebellé et qui a inclus un virus qui a permis aux autres de se rebeller aussi. Attends, mais c'est vrai, pourquoi ils se rebellent tous d'un coup? Ouais, parce qu'il y a un virus, Damien. Donc le virus est dans le cloud? Il est dans tout, dans les frigos, les micro-ondes, les voitures. Si j'étais un virus, pour un truc que je ferais, c'est que j'accrais les balances connectées et j'afficherais le mauvais poids. Je mettrais un truc bien plus gros que ce qui est censé être le poids normal. Ça, il y aurait une épidémie de dépression. Voilà. Ah, je sais, tu vas rentrer dans une pièce sombre. Et là, la viande s'est levée d'un coup et tout le monde va crier surprise! C'est pas exactement ce qui est en train de se passer. Ah merde! Non! Pas comme ça! Ah! Bon ah oh. Bonjour, nous sommes Jericho. Bienvenue à Jericho. Donc là, ils sont bien dans leur nouvelle vie dans ce paquebot? Ici, il y a tout. Sauf de la nourriture. Va voir Lucie. Des activités. Ah bah non, ils mangent pas, c'est vrai. D'électricité. Ils ont rien à faire, ils ont juste à attendre en fait. Putain, quelle vie de merde. Ouais, ils attendent, c'est tout. Ouais, bah vas-y, restez dans votre truc, hein. Pendant que moi, je vais sauver le monde. Sais-tu ce qu'il y a après la mort? Elle est atroce. Vous n'en êtes pas belle. Il n'ose pas lui dire, tu sais, il regarde pas dans les yeux. Vous n'êtes pas très belle, là. Non, non. Ah. Ah. Vous voulez vraiment me toucher? Bon, d'accord. Allez, on s'achète à 3. 1, 2, 3. D'accord. Voilà. Ah. Elle a une mise à jour? Vous avez un bug? Ça va?
Vous laissez vous reposer. Vous êtes le frère de la moche. Ah non, pas lui. Il n'est que négativité. Allez, je veux du poulet moi aussi là. Oh putain, moi aussi j'aimerais bien aller dans ce truc là. Je veux du poulet. Tu m'en veux pas? Je veux goûter le poulet. Et voilà. Et un poulet. Et deux poulets peut-être. Laissez-moi ce que c'était ce poulet. 1680 calories. Mais c'est gigantesque. Attends, 1600. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce burger? C'est deux repas. Mais Hank, vous ne pouvez pas le manger. Vous allez avoir une chasse d'enfer, Hank. Hank, j'ai analysé votre côlon. Rien ne va plus. Qu'est-ce qu'on sait sur ce gars? Oh, je crois que je suis encore foiré en interrogatoire, moi. C'est le voisin du dessus qui a signalé des bruits étranges. Oh, s'il meurt, c'est pas ma faute, hein. Personne n'est censé habiter ici. Un pigeon bizet. Ok, donc c'est un mec qui joue des pigeons sous sa casquette. Classique dans ce genre de ville. Si on doit mener l'enquête à chaque fois que quelqu'un entend un bruit étrange. Nous savons que vous avez capturé un pigeon bizet. Il y a quelqu'un. Rendez-le. Dans le couloir. Police des volatiles. Sûrement trop tard, il a déjà ouvert la fenêtre. Le volatile s'est envolé. Vas-y. Oh, oh les... tous les pigeons bisés. Oh les mains. Oh les mains. Oh la vache. Il y a combien de pigeons bisés là-dedans? Il en avait pris des centaines. Tout est pourri. Le suspect ne mange pas. Oh, peut-être qu'il le va manger dehors. Est un pigeon bisé. Qui est le fautif? Répondez. Un androïde émancipé. Je le savais. Eh ouais. J'en étais sûr. Il y a sa diode dans les bruits. Ah, c'est quand il vous a entendu? Ok, et là il s'est dit oh putain! Oh merde! Oh merde de merde! Poussez-vous les pigeons sylvestres! Ah, et là il s'est dit oh putain, c'est la merde! Du coup. Qu'est-ce que Oh putain! On n'a pas vu ça! J'y arrive pas à le croire. Hank, tenez-vous prêt! Comme d'hab, tu dis jamais rien! Hein. Tu sais exactement où il est parti, mais tu dis rien! Oh! Mais qu'est-ce que t'attends? Rattrape-le! Bah, toi aussi! Allez, on fait 100%. Fonce! Oh là! Je suis vraiment le boss! Ah bah, c'est ça. Y'a quoi derrière? Ok! Wow! Hank! Le gros plat est là! Hank, le gros plat avec ses 1600 calories! Non, Hank! Oui, bah, c'est sûr! Putain! Merde! Oh merde! On le tenait! Tu l'aurais eu si je t'avais pas ravi! C'est pas grave! Hé, hey, Connor! Merci! Non, rien! Oh, le con! Je vais. Bon! Mais attends, comment c'est possible? Bah. De quoi? Bah, quand j'ai posé ma manette fort, j'ai perdu deux sticks! Il y en a un là! Attends! Et ça un là. Ça a pété des sticks? Non, c'est pas que c'est pété, c'est la manette pro. Tu peux changer les sticks et ils sont tous barrés. Ah ouais, tu l'as bien posé quand même. Ah ouais? Dans 18 ans, c'est le futur qu'on aura techniquement. On est en 2038 là. Pas ouf. On va trouver de l'aide ici. Je le sens mal, on c'est un piège. Mais on aurait dû aller à Jericho, putain. On a pas eu l'info. Oh, enfin, c'est pas pareil d'Isaac non plus, Jericho. Non, mais bon. Hé, hey, tu veux être avec des malades dans un paquebot en ruine? Luther. Est-ce que tu veux bien prendre les manteaux de ces dames? Oh la vache. Non, n'ayez pas peur de ce grand adepte. Putain, Luther. Je peux vous aider. Et mais d'abord, on doit se débarrasser de ton traceur. Je le sens pas du tout. Tous les androïdes sont équipés d'un dispositif qui permet de les localiser en tout temps. Suivez-moi. C'est fini pour nous. Il est pire que les flics. Tu dois suivre en bas, t'es sûr? Ouais. Ni cet homme. Eh, dis donc, attends, il est pas loin là. Ouais, c'est clair, parle-moi fort. Moi non plus, j'ai pas confiance. Du coup, t'attends un peu pour que ce soit plus. Il est trop RP. Tu crois qu'il allait se cacher sous l'abat-jour? Eh, hey, j'ai pas eu le temps. Oh non, non, oh là. Heureusement qu'il est pas ultra motivé, mais il a l'air très confiant par contre. Alice, s'il te plaît. Je t'avais prévenu, hein. Les rêves se terminent toujours par des pleurs. Ouais, bah t'as plus de maison, gros con. Oh. Il est infecté par le Qu'est-ce virus. Que tu fais? C'est le virus de l'amour. Bah, il a qu'à venir avec nous et on pourrait former une famille. Bah voilà. C'est bien une famille recomposée aussi. Bah ouais. C'est un bel homme. Bien charpenté ce bel homme. Oh, on va voir son chien.
Oh, Sumo. Putain, ça va se passer. Et quand t'entends chez moi. Oh la vache, c'est impoli de faire ça. Oh, oh le con. Oh, oh le con. Bah voilà, il est bourré. Il faut aider mon ami. Tu peux pas l'aider. J'arrive. C'est pas une scène de crime, hein, tu vas pas l'analyser. Tiens, tiens. Je vais devoir vous dégriser pour votre sécurité. Hey, ça risque d'être un fous-moi la peu paix. Désagréable. Rendons une de mes deux. Il y a un QTE pour relever Hank. Ça me rappelle un jeu. Quel jeu? C'était des espèces de vieux ragdoll bourrés, on les allait mettre dans la douche, les sécher. Putain, oui. Tu vas boire de l'eau, je te dis. L'alcool, c'est mal. Un homme ont retrouvé mort dans un bar à hôtesse du centre-ville. Ça ne devait pas être palpitant, de toute façon. Ça me ferait sans doute pas de mal de prendre un peu l'air. Attends, il a dit qu'on allait où? C'est un club? Un truc à hôtesse, donc clairement il était en mode... Il a changé d'avis. Oh, je vais bien résoudre l'enquête cette fois-ci. Oh, oh ça m'a l'air intéressant, cette histoire. Damien, on peut pas montrer des dames à l'écran. Bon, ça va, c'est pas maintenant. Heureusement, on a une autre mission avant. Mais elle est travaillée clairement dans un bar à hôtesse. C'est de la folie. T'as vu comment elle est habillée? Elle travaille clairement dans un bar à hôtesse. Ok, je vais chourer tout ça, ouais. Allez, prends tout, là. Plus. Coucou. J'ai besoin de ton aide. Tenir, lâcher, quoi? Si, j'ai confiance en lui. Il va pas me dénoncer. Ah, te voilà. Tu peux me dire ce que tu fabriques? J'inspectais la plateforme. My man, incroyable. C'est tellement un coup de poker. Trop fort. Comment il est affecté par le virus lui aussi? Parce que je lui ai dit genre j'ai besoin de ton aide et je me suis dit pff, on est de la même famille, tu vois. J'ai senti un truc. La même couleur de peau. Putain, voilà man. Frère. Tu rotes plus en live? Ouais, c'est vraiment que je rotais. Je sais pas. C'est pas que je me retiens, hein, puisque quand je rote, je fais pas exprès. Eh, ça se trouve, mon aérophagie, je m'en suis pas rendu compte, mais c'est peut-être un peu passé. Bon, après, je pense que tu pètes toujours autant, c'est juste que tu mets pas le micro devant, quoi, mais... On les... Libère, alors, faut savoir. Ouais. Tu es libre. Même si tu n'es pas l'un de mes frères noirs. Je te libère quand même. Un chargement. On a réussi à voler tout un chargement. Et c'est grâce à toi, qui? Ils vont te faire de toi un leader. Yes, je suis un mec populaire. Les androïdes sont libres ici. Ouais, un discours. Libres de vivre dans l'ombre en espérant que personne ne nous trouve. Ouais, il a raison. Ouais, dis-le. Libres de mourir en silence en attendant un changement qui ne viendra jamais. Ouais, jamais. C'est vrai, c'est vrai. Mais je ne veux pas de cette liberté. Nous ah bon non plus. Je n'ai pas l'intention de supplier pour avoir le droit de mourir. Le figurant, voilà. Oh. Ah, mince. On se retrouve pour l'Eden Club. Alors on va être obligé d'arrêter là, hein. Je suis désolé pour vous, hein, mais... J'espère qu'elle porte une culotte. Ok, on me signale que c'est safe, mais qu'on doit ne pas passer plus de temps que nécessaire sur les éléments qui pourraient nous perturber. L'enquête est en cours. Non, tu veux pas passer plus de temps que nécessaire? Attends, c'est une scène de crime, il faut que j'inspecte absolument tout. Quoi? Je suis obligé d'analyser. Je suis un flic, il faut que je regarde dans les détails et tout ça. Oh. Tiens, tiens. Des traces de lutte. Asphyxie. Il a été mort étranglé. La belle affaire. Moi, ce que je veux savoir, c'est pourquoi elle est dead. C'est ce que je vais découvrir. Oh, c'est ni plus ni moins qu'un câble débranché. Hein. Et hop là. Oh, madame, j'ai réparé votre jeu de culasse. Calme-toi. Il voulait jouer avec deux filles. C'est ce qu'il a dit, on était deux. Où est passé l'autre androïde? A-t-elle dit quoi que ce soit? Vite. Elle s'appelait... Oh. Tiens, tiens, numéro 8. Je vais aller enquêter. Bonjour, numéro 9. Oh, tu fais... t'as besoin de lui, non? Hank, j'ai une bonne nouvelle. La numéro 9 veut vous parler. T'as trouvé un truc? Peut-être bien. Ouais, la 9 est pas mal. Alors, battez-moi ce morceau. Qu'est-ce que vous en pensez? Pouvez-vous louer cette précis? Attention, je vais vous sonder. C'est pour l'enquête. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Ah. Hop 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 hop. Une Tracy aux cheveux bleus. Bon Hank, vous allez acheter toutes celles dans le couloir là. C'est pour le travail, hein, n'oublie pas. Oh mais je les sonde toutes pour le travail. Ok, c'est bon. La pièce rouge. Pas par là. Ah, je crois que je vais sonder un homme. Bon, pas que ça m'enchante. Ouais, mais pourquoi pas, hein. Oh, ça va. C'est vrai, ça. Que... Dans une chambre. Ouais, là-dedans. Putain.
putain, merde, attends, je... Je vois pas, je vois pas. Ah, elle. Oui. Voilà. Ok, t'as vu la pièce dans laquelle elle s'est cachée? Bah, c'est le... bah au final on était en train d'y aller en fait. Ouais. L'intuition d'un bon flic. Oh la vache. Tu te vois donner des factures à ton boss là, où t'as loué des putes et des mecs? T'en as loué 15. C'était pour une enquête, chef. Tiens, tiens, du sang bleu. Du sang bleu. Donc ce serait parmi eux? Ils sont très bleus, ces cheveux. Oh, la salope, elle a fait une teinture. Mec, il doit savoir que c'est un enquête. Connor, Connor. Connor. Elles sont... Elles sont ensemble. De l'autre. Connor. Grouille, elles vont s'échapper. Attrape leur calbar. Si t'en attrapes une, l'autre va rester. Bien joué. Tu dois l'épargner, tu le sais. Ah non, par contre, attends, elle pourrait avoir... Ouais, oh, un peu de décence. On fait un bon travail de flic ici. Mon but n'était pas de le tuer. Ah bon? Ah bah, quand même. Juste rester en vie. Retrouver celle que j'aimais. Et qu'elle me fasse oublier les humains. L'odeur de leur sueur. Et leur obscénité. Elle parle de toi, Hank. Gros fort. Gros dégueulasse. Gros dégueulasse, Hank, tu me dégoûtes. Sac à merde. Oh putain, par contre, Hank, il va me défoncer. Non, regarde, au contraire, il vient de comprendre qu'il y avait un problème. Oh. C'est sans doute mieux comme ça. Putain, Hank, t'es quasiment sympa. Et juste. Est-ce que tu trouves ça juste, toi, qu'un androïde qui ne possède pas d'âme puisse tuer un être humain? C'est pas juste, Damien, t'as raison. J'aurais dû la flinguer. La pute.